femmes, merci d'être là. Le soutien, plutôt la lutte contre cette fâcheuse maladie continue. Grâce à vous, mesdames, messieurs, et on applaudit notre cher public. Bonsoir, public. Ah, ce soir, il a du travail. Il s'agit là de HKM. Bonsoir. Ça va? Déjà, on commence. Ce soir, c'est sous le thème vintage qu'on va. Ah, ce sont des sonorités, des couleurs, des objets, des génériques de films, enfin des bandes, on va dire, originales de films, des génériques d'émissions ou de tout simplement dessins animés qui nous rappellent notre jeunesse ou des époques, on va dire, assez spéciales. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez de cette. Bon, je ne sais pas si l'entreprise existe toujours, ça ne fait pas de la publicité. Nilda Ouzian nous montre cette cassette VHS du concert de Kadik. Plutôt, de Jackson. Alors, j'ai évité la publicité, mais on est en plein dedans. Je le disais, et c'est grâce à notre chère décoratrice. J'ai envie d'embrasser très, très fort. Il s'agit là de Yasmine Sabest. Merci pour les objets. Et aussi, merci pour le fameux décor. C'est parti, je le disais, des couleurs. Alors, je vais enlever les lunettes d'abord, parce que là, non seulement il fait chaud, et je vous vois mieux là. Oh, t'es beau, Hakim. Merci. Non, je parlais à Hakim Arossi, HKM. Bien sûr. Alors, Magic School, rebonsoir et merci d'être là parmi nous, mon fondateur de Old School. Exactement, oui. Merci. Alors, c'est plus de 300 000 abonnés ou déjà? Presque 340 000. Bravo, ça s'applaudit, 320 000. Merci. Alors, les filles, c'est les garçons. Alors, j'imagine vous connaissez Fazia Old School, cette magnifique page. Oui. Et vous êtes abonné? Non. Ah, d'accord. De suite. De suite, de suite. Il faudrait... ou bien 10 pompes. Voilà, dis-moi. Je préfère les 10 pompes. Mais j'imagine que vous basez, pardon, sur des extraits, plutôt des objets, des photos, des vidéos. Et c'est sympa, c'est juste pour, on va dire, la rigolade, sans plus. Exactement, mais on se base beaucoup plus sur la nostalgie qui touche les quatre coins d'Algérie. Et pourquoi? Je vais répondre à cette réflexion. Pourquoi côté, vous avez pensé côté, à... Côté, ouais. Voilà, non. En fait, on va parler de l'âge, justement. De l'âge d'un oldiste. En fait, un oldiste, ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est juste un état d'esprit. Très bien, voilà. Quelqu'un de jeune, il pourrait être un oldiste par son état d'esprit. Moi, en étant jeune, à l'âge de 11, 12 ans, 13 ans peut-être, j'écoutais du Pink Floyd. Et pourtant, ce n'était pas de ma génération. Ah, juste, vous avez, je rappelle votre âge, vous avez tout juste 38 ans. Alors, et j'imagine que vous êtes super jeune aussi pour connaître. Et vous avez grandi, on va dire, dans un milieu. Sur les pas de vos parents notamment. Vous mes avez écouté frères, mes parents. Voilà, voilà, votre petite famille. Comme tout et monde. Vous êtes fan, Mounia, de Old School. Oui, bien sûr. Je suis abonnée, j'ai partagé des trucs que vous n'avez pas partagés. J'ai envoyé des vidéos et tout ça. Ah, oui, je sais, il y a beaucoup de demandes. Il se cache. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes et puis pour gérer tout ça, ça va franco chez nous, juste pour rappel, en fait, c'est les 90 minutes. Juste pour répondre, on reçoit presque 3000 publications jour. Wow. Wow. Oui. Rien que ça. Pour faire le tri. Sérieux. 3000 publications par jour et on doit traiter ça. Et j'imagine que les clips de Hakim Al-Arossi sont passés. Rebonsoir Hakim, merci d'être là parmi nous. Merci. Hakim Al-Arossi, l'un des réalisateurs de la télévision algérienne. Je le disais, vous avez connu l'âge d'or de la télévision algérienne à ses débuts. Et enfin, pas ses débuts quand même, c'était pratiquement à partir de 1962, après le recouvrement de la souveraineté sur la télévision radio algérienne. Alors il y a eu par la suite une autre époque, une autre vision des choses avec des émissions, des conceptions nouvelles. Et pour la plupart, ce n'était pas des reprises ou juste, on va dire, du plagiat sur d'autres conceptions d'émissions. C'était des émissions et des conceptions purement algériennes. C'était des créations, absolument. Ça me permettait de faire un grand coucou et un hommage à un grand homme de la télévision qui a lancé la chaîne 3 telle qu'on la connaît, créative, avec plein d'idées. C'est M. Rachid Boumedienne.
qui avait été nommé donc directeur de la chaîne 3 et qui tout d'un coup a réuni tous les cachetiers à l'époque, les jeunes qui aimaient la radio, qui n'étaient que des animateurs ou des programmateurs. Il a dit, si vous avez des idées, proposez-moi des émissions. Voilà. Et ça a donné... Alors juste pour le commun des mortels, cachetier, c'est donc des animateurs... Ah ben c'est pas des salariés. Des salariés avec des salaires forfaitaires, j'ai envie de dire, même pas. Des revenus forfaitaires. Des pigistes, voilà. Et justement, et de là, vous aussi, vous avez commencé en tant qu'animateur radio. Oui. Et le jeune qui vient, alors qui venait de Constantine, si je me rappelle bien. Alors, non, je suis Algérois. Algérois, voilà. C'est votre chère épouse qui est de Constantine, voilà. Oui. Qui est tombée sous le charme de votre belle voix, que nous saluons, et une grande dame de la télévision algérienne. Salut, madame Larossi. Alors, je le disais, c'est de là qu'a commencé, on va dire, votre aventure avec la radio, la télévision algérienne. HKM connaît un bout, hein, puisque lui est aussi de la chaîne 3. Je suis arrivé bien après, mais j'ai eu à le rencontrer une fois au studio. Une fois que je suis arrivé, je n'osais même pas utiliser le micro. Yes. Ouais. Bah oui, j'avais le track devant. Et par la suite, vous êtes devenu un roi. Je crois qu'on a co-animé les ondes. L'un des rois des ondes. Une nuit. Voilà. Une nuit, c'était voilà. Sympa. Donc c'était une belle expérience de toute façon. Ouais. Mais moi, je suis arrivé bien après. Il faut juste préciser qu'à l'époque, la radio et la télévision, c'était la même boîte. C'était RTA, Radiodiffusion Télévision Algérienne. C'était la même. Voilà. C'est toujours resté une même famille, même une. Pas dire unique famille, la preuve, ouais. Nos amis de la radio sont là et vice-versa, nos amis, plutôt nos collègues de la télévision sont à la radio. Moi-même, j'ai commencé à la radio, puis à la télé, puis à la radio et c'est là, je pense qu'on a besoin, on va dire, la radio a besoin de la télé et vice-versa. Et je dis toujours que la télévision, plutôt la radio, est, pour la télévision, est ce qu'est le théâtre pour le cinéma, c'est ça. Une sorte d'école qui forme, on va dire, par la suite, des journalistes et animateurs Faziel Kenz. Est-ce que... Quelques années auparavant, vous écoutiez la chaîne 3 et vous écoutiez Hakim Larossi notamment. Hakim Larossi, non, pas particulièrement, mais j'écoutais la radio, la chaîne 3 notamment, depuis très longtemps. Je participais à des jeux et tout. En fait, jamais je me suis mise dans la tête que j'allais travailler à la chaîne 3. Mais j'écoutais, depuis mon jeune âge, j'écoutais la chaîne 3. Et je sais que Mina Abed et Mounia Witis regardaient et regardent toujours. On va dire les classiques du cinéma algérien. Si je vous dis Mirza Alouache et je vous dis Boualem Benani, vous allez me dire le film Boualem Benani, Mirza Alouache, Omar Gatlet. Ah là là, Omar Gatlet, un classique du cinéma algérien. T'as dit quoi? Qu'est-ce que t'as dit, Mounia? Omar Gatlet, c'est ce que je viens de dire. Hey, ce soir, Mina Abed est là pour scanner. C'est notre sniper. Mais juste ma question. Oui, Madi. Où chez les Gatlet? Rijla. Rijla. Voilà, Omar Gatlet, Rijla. Et c'est ça, juste ce film qui reste, on va dire, dans les annales du cinéma algérien. HKM, ça vous parle? Oui. Et puis, je voulais juste revenir sur Hakim Larossi. Mirza Alouache, qui est quelque part derrière une émission radio. Kapsa Chema, oui. Kapsa Chema. Donc, qui était un réalisateur de la télévision algérienne. Absolument. Aussi. Pour revenir un petit peu à ce que tu disais à propos de la radio et de la télévision. Voilà. Et notre personnage, bien évidemment, est venu par la suite et surtout, il a collaboré notamment avec Rabbi Rahmoul Hajj Rahim. Il s'agit là de l'inspecteur Tahar. Alors, l'inspecteur Tahar est entre autres classique de la télévision algérienne, du cinéma algérien. J'ai dit, ce sont des téléfilms, alors, juste pour rappel, l'inspecteur Tahar. Surtout le téléfilm, l'inspecteur Tahar. Et les chats, on va regarder un extrait, on revient après. Oh, voilà. Ah, Sidi, où est-ce qu'il y a? Dire toi, je suis là. Où est-ce qu'il y a? نسقسيها إذا عنده قطة يقول لي ما عنديش غير واحد قال لي عندي كي قلت له واش دير به قال لي باش نخليه يعس لي الحانوت تضحك هذا كان يخز بيك هذاك شفت أنت قط يعس الحانوت ما رانيش عارف على كل حال راني نقول لك واش قال لي وخلاص وانت أنا كنت معاه بون سامحينا زوج دقايق وعندنا هالهضرة راس راس أنا وياه واش من هضرة أرواح أرواح واش كاين كاين زوك نوري لك انا واش كاين اتونسيون راني مبرتيك ها اتونسيون تزيد تلعب معايا طراتك هذوك ها هبط يدك وهضر معايا انسبكتور واش من طراتك راني نهضر على ليلى
اتنسيون تزيد تدور بها ولا تروح تفطر معاها وكي كليت معاها كاش ما فيها عيب وزيد بزيادة هي اللي عرضتني وانت واش تخلق كوني كوني اخلعني اخلعني اتنسيون ها انا اللي قلتها لك وانت ديرها مليح في راسك ها على خاطر تشبر يا عنيق والله ما نبعك عمك تعال 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 أحسوا اللي تدري أحسوا أتركيني أحسوا أطلعي 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 أحسوا لا تليفون لكم السيرة ما عندش الدمة ما عندكش الدمة ودور قول لي علاش ضربته سيدة راهي غير عليك اللي ما على بالكش غير عليا هذه جديدة هذه كما على بالك بولو يا فرات درك اخي تفهمنا جاب لك ربي فرات شوفوا ما نحبش نزيد نسمع هذه الهضرة فهمتوا التليفون يا انسبكتور الو شكون نعم سيد الكوميسير ها Juste, il y a l'inspecteur Tahar. Il y a des sahawarbirahmed parce que tu as fait beaucoup pour la télévision algérienne. Juste pour te dire, Anna Machine, l'inspecteur Anna Mounir de la télévision algérienne, Arbirahmed Kouissalek. Voilà, ça c'est fait. Et là, on peut qu'aimer des moments, je le disais, juste magnifiques. Et j'ai vu les jeunes ici, de la nouvelle génération, qui réagissaient. Et j'ai vu Mehdi mort de rire. Alors vous aimez, on peut qu'aimer. Ben oui. Ben à chaque fois que je vois des films, des anciens films, c'est incroyable. Ça me fait de l'effet, ça me fait de l'émotion, c'est incroyable. Mina. Le jeu d'acteur, c'est juste incroyable. On dirait que c'est vrai. On dirait qu'il est vraiment en train de le mordre. Exactement. Et le look. J'adore la réplique. Chauffez la main des chutes de Harmonia. Ah c'est ça. Et est-ce que vous vous rappelez de la suite? Lorsque, on va dire, il draguait, c'était la scène de la fenêtre. Moi, Fadia. Bizarrement, je n'ai jamais vu ce film. Aïe, c'est un peu grave, non? Celui, non, mais c'est vrai, je ne l'ai jamais Alors, vu. Alors, c'était les mouvements de sport. Ouahed, nin, tlata, ouahed, nin, tlata. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. Tu te rappelles, Kim? Et ça donne quoi? Ouahed, nin, tlata. Je voulais m'excuser auprès de toi, j'ai dit HKM. Alors, dans les présentations, j'ai dit HKM. Rabbi Rahmoul Saleh, justement, il y a aussi... Le fameux, on va dire, film. Hein? Il est encore là. Encore une fois. Et puis, il faut des transitions. Alors, si je vous dis un classique, Hakim Larossi, je vous dis un classique de la télévision algérienne, du cinéma algérien. Juste, on va dire, une comédie. Une comédie, moi, je pense automatiquement Les Vacances de l'inspecteur oui. Tahar. C'est plus voilà. réalisé par Moussa Haddad qui nous a quittés. Oui. On va dire, il y a un monstre, oui. Un chef-d'œuvre aussi. Un chef-d'œuvre et aussi le fameux clandestin de Feu Ben Ammar Barthi, le clandestin. On regarde un extrait, on va se rappeler de ce magnifique, on va dire, de cette magnifique production cinématographique. On revient juste après. Alors, vous devinez, hein? Hakim, la réplique, c'est Yemma, Kunt Habit et Chnou C'est la Qasdira, m'a dit que je Kunt Mais attends, le Tchibtchak, mais c'est Qasdira. Et justement, il y a toute une terminologie, Tchibtchak, voilà, c'est sympa, ça reste jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous vous rappelez de l'aspect, enfin, clandestin, le public, t'arrives au clandestin, quand même. Jusqu'à présent, t'arrives au Ordi la Rahma, des années après son décès, et décès pratiquement de tous les acteurs de on ce... On n'en fait plus de films comme ça, d'ailleurs. Ah oui. Exactement, à part... Les acteurs comme ça, des films comme ça, ouais. Et la réplique, voilà. Là. Ouinakoum raïhen. Ouinakoum raïhen. L'Ars. On l'a refait, on l'a fait. Ouinakoum raïhen. L'Ars. Je connais ce mot. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion, Hakim Larossi, vous avez commencé jeune et puis vous êtes passé à la radio, plutôt à la télévision algérienne. Est-ce que vous avez eu la chance et l'occasion de croiser quelques comédiens ou plutôt Ben Ammar Barthi? Mais c'est clair, le boulevard des martyrs, le 21 boulevard des martyrs, tous les comédiens de tout le pays se voyaient là-bas, dans les couloirs. Tous ces gens-là, on les croisait quotidiennement. Et c'est pour ça que c'était extraordinaire de venir travailler à la télévision ou à la radio. C'était justement
pour toutes ces rencontres qu'on faisait avec des personnages extraordinaires. Et juste qu'on avait magnifique. L'occasion de parler avec eux, de discuter, c'était génial. Et ça ne nous rajeunit pas. Voilà, justement, le Boulevard des Martyrs, il a réuni beaucoup de monde, que ce soit des réalisateurs, des comédiens, et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Justement, il nous a quittés, on va dire, il y a trois jours, quatre jours de cela. Un grand acteur, il s'agit là de Ben Khalfallah, c'est ça. Et Rabbi Rahmo qui a joué, entre autres scènes, El Hussein dans le film Aïla Kinnas. Et justement, pour se rappeler de ce grand homme du théâtre et aussi de la télévision et du cinéma algérien, Rabbi Rahmo Youssaleh. Je le disais, ça nous rappelle, le cinéma nous rappelle des choses, mais aussi la musique. Et quand je dis musique, HKM est bien placé pour nous parler notamment d'un clip. Il s'agit là du clip de Hamidou. Sarwa Loubia. Tu vas me dire, oui, tu vas me dire pourquoi Hamidou. Ben, c'est tout simple. Hamidou, Hakim, je pense qu'il est plus informé encore. C'est en réalité le premier rappeur chez nous, avec Djoula Fellil. Mais j'aimerais juste revenir sur Moussa Haddad. Rabbi Rahmou Saleh. Tu avais demandé à Hakim s'il a rencontré des stars du cinéma. Et je pense qu'il a collaboré avec Moussa Haddad. Oui. Qui est d'ailleurs une idée très intéressante sur Moussa Haddad était quelqu'un de très ouvert, de très curieux de tous les mouvements, mouvances, jeunesse qui se passaient. Et donc, c'était Bled Music. Même avant Bled Music, on avait collaboré sur une émission qui s'appelait à l'époque... Bouzelzel. Rock Diana. Rock Diana. Rock Diana, qui était la première émission avec des clips et disons avec la musique moderne algérienne, T34, Tara Inara Je crois que tous les noms qui sont arrivés par la suite, c'est grâce à cette émission. Donc Hamidou, je disais tout à l'heure, c'est le premier rappeur qu'on a connu sur Alger. Et puis Serwel Loubia. Moi, je pense qu'à l'époque, c'est tous les jeunes qui reprenaient le classique. Et puis la fameuse phrase dans le train. Oui. Taklou Shmingom, c'était avec Mehdi Abbassi. Alors, c'était dans le train, un magnifique film. Justement, on va rebondir après qu'on ait vu un petit extrait de ce clip de Hamidou Sarwa Loubia. ضرب صلوى لالا الشاشية وعراقية الشيخ بابا خلاهالي الناس تخزر فيا كاين اللي ضحكوا عليا قلت لهم ديروا بحالي هاك قيس بركة من بيت صرني عليك اللويس انت قدرك عالي صلوى اللوبيا ديالي انا يا ماشي انت جريتولي ولا لا كان داير حالة روح سخسي ناس بكري سروى اللوبيا ديالي أنا يا ماشي تاجرتولي سروى لا لا كان طلع موضة وراهي رايحة تولي فيك الكليب دو حميدو Et justement, il ne s'est pas trompé. Hein. Comment Fazia ? Il ne s'est pas trompé. Il a dit. C'est-à-dire c'est la moda ou Raihat Wulli. Et c'est le cas. Et d'ailleurs, c'est le cas. Et c'est porté aujourd'hui par les femmes et les hommes. Et justement, on voulait avoir Hamidou que nous saluons au passage. C'est un artiste intemporel et il est actuellement en concert au Canada pour notre communauté, complet. Son public au Canada. C'est un artiste complet. Charisme. Les idées. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, les covers, hein, il reprend pratiquement tous les standards qui ont marqué l'histoire de la musique. Et il a ce côté magique. Justement, il est passé aussi par
il y a Kalelo. Il y a un autre artiste aussi, l'enfant de Chiraga, qui a commencé en tant que musicien chez Cheikh Nourdine, qui avait par la suite détecté en lui, on va dire, cette très belle voix, ces cordes vocales magnifiques. Il s'agit là de Polyphène. Mohamed Polyphène. Polyphène, justement, et le premier clip de Polyphène, Hakim Laoussi est derrière. C'est lui le concepteur, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Oui, avec Aziz Mati, on avait réalisé leur premier clip. C'était quel titre déjà? Oula! Mémoire d'oiseau. Mémoire d'oiseau. Il y en a tellement que du coup, ça arrive. On a fait plusieurs clips de. En fait, on a fait plusieurs clips de Polyphème, pas un. On a dû en faire trois ou quatre. Oui, Marbouna Aliha. Marbouna Aliha, c'est Hakim Laoussi. C'est aussi avec Aziz Mati, on va le défendre. J'ai une très bonne idée, on va bien voir sûr, un extrait absolument. De Marbouna Aliha. Marbouna Aliha, c'est d'ailleurs tous les amoureux de l'époque. Marbouna Aliha. Ah, ça va, rien mieux. Ça va, mon bébé. Tu es bien déguisé. Allez, on va suivre un extrait du clip, on va bien juste après. Marbouna Aliha. À ce qui paraît, tous les artisans en marbre travaillent à Blhanana. À ce qui paraît, Blhanana de Ouberkham, c'est entre autres, on va dire, belle voix, ça n'engage que moi, belle voix de la scène voix. Musicale algérienne. Elle est juste magnifique. Il y a eu un artiste aussi qui a marqué la scène musicale algérienne des années 90, fin 80, début 90. Alors, un petit indice, Rabat Aboucheri. Juste pardon, revenir sur ce qu'on vient d'écouter. Alors, c'est pas le clip, là, c'est un live. C'est un live sur scène, donc c'est pas le clip. C'est pas un clip. Ce qu'on a vu là, voilà, justement, c'était entre autres scènes. Ouais. Voilà, c'était pas un clip. Juste pour corriger. Juste pour rappel. Alors, je le disais, je reviens, il y a un autre artiste. C'est bon, on a. Vas-y, elle s'est concertée. On veut l'étoile. Ah bon, déjà, elle est détentrice de l'étoile la dernière fois, mais elle a triché, sans pitié. Je triche. Alors, je le disais, un artiste qui a marqué la scène musicale fin des années 80, début des années 90. Je vous donne un indice, Rabat Aboucheri, et c'est donc. Jopé. Voilà, pourquoi. Ah, c'est la très rare. Pourquoi Rabat Aboucheri? Parce que tu m'as drabo. Drabo, tu m'as dit que le mécanicien. Sur Darbo, mécanicien, sur votre page, j'ai lu, je crois avoir lu, le hub maintenant, les Darbo Jalte Aboucheri. C'est ça. Et Mahdi, vous qui êtes, on va dire, mon fondateur de la page Old School, vous avez remarqué que. Beaucoup plus, il y a une dominance de la musique algérienne sur votre page. Oui, exactement. C'est ça ce qui donne le charme de notre nostalgie. Ça veut dire si on partage de la musique algérienne, ça veut dire qu'on est vraiment branché nostalgie. On est vraiment branché nostalgie. Au lieu de partager de la musique américaine ou bien européenne ou bien française, moi personnellement, quand je partage la musique algérienne. Je partage la musique tabladi. C'est obligatoire. Que ce soit. Non, c'est pas obligatoire. Autant que membre, non. Après. C'est pas obligatoire, non. Voilà. En fait, il n'y a pas que ça. On a de la musique française, on a du Francis Cabrel, du Michael Jackson. J'ai été éjecté du groupe, donc je ne peux pas savoir. Ah oui? C'est vrai? C'est vrai? Ce soir, moi, maître là, avec, va dire, mon client.
HKM voudrait savoir connaître les raisons pour lesquelles. Oui, oui, oui. Ah, on va revenir là-dessus. Aussi à justement, ce qu'il a fait. Notre Francis Cabrel, c'est Abdelrahman Jolti, voilà. Et entre autres classiques de. Je suis désolé, mais il n'y a pas un jeune qui ne reprenait pas ce titre. Vous connaissez c'est Jolti pas Francis Cabrel. Vous connaissez Abdelrahman Jolti. À l'époque, ça, ça a marqué. Donc, l'autre vérité, Mounir, c'est qu'à l'époque, on en parlait avec Hakim, c'est tout le monde qui produisait un tube, mais pratiquement que des... une série de tubes. De tubes incroyables, à Polyphène aussi d'ailleurs. À l'image de Hasni à l'époque. Il y avait des groupes qui ont quand même marqué les années 80, voire même 90, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec des... Pas vraiment. Oui, oui. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il m'a envoyé. Je voulais juste préciser une chose pour comprendre. C'est qu'à l'époque, les musiciens algériens qui faisaient de la musique moderne algérienne, je ne parle pas de ceux qui faisaient du folklorique ou de la chanson typique comme Hadj Driessa, etc. Les jeunes n'avaient pas un créneau. C'est-à-dire qu'ils ne passaient pas à la télévision. Ils ne passaient pas sur la chaîne 1, ils n'avaient pas de créneau où se faire entendre, se faire connaître. Et heureusement, à la chaîne 3, et ça j'en suis particulièrement fier, c'est de leur avoir ouvert un créneau où ils pouvaient s'exprimer, ils pouvaient se faire connaître. Et faire découvrir au grand public aussi cette nouvelle musique, j'ai envie de dire. Bien sûr. Et puis il y a un détail aussi qui a joué, c'est qu'à partir du moment où ça passait à la radio, ils étaient obligés, on les obligeait à avoir un son correct, des arrangements, etc. Ce n'était pas comme à l'époque, ils disaient « Ammar Kasseta ». Voilà, exactement. Ammar, sans faire attention, ni les paroliers ne travaillaient pas, etc. Ils ont été obligés donc... Je termine. Voilà. Et le public a réagi parce qu'il a compris, on va dire, il a lu entre les lignes ce coup de gueule poussé par Hakim Larossi aussi subtilement, voilà. Il y avait, c'est du Hakim Larossi. Pardon, il y avait une autre vérité aussi, c'est qu'avec l'arrivée de la toute première émission Contact, c'est ça. Contact et Sans Pitié après, c'est aussi l'arrivée de l'Arabie Ad-Darja. On pouvait se permettre sur l'arabe la chaîne dialectal, 3, oui. Voilà, l'arabe dialectal. Donc il y avait des mots qui ont quand même bien fonctionné à l'époque. Et l'apparition de la chanson Rai. Oui, ça a été compliqué, ça. Enfin, ça a été plus dur. Hein. Mais ça a été plus dur. La mise en avant, hein, parce que l'apparition, ouais, ça faisait longtemps. Dire, hein. En radio, oui. Sur la chaîne 3, ce qui n'était pas facile à l'époque. Voilà, justement, par la suite... C'est Raina Rai qui a ouvert... si j'ai le temps, je peux raconter la petite anecdote. C'est que, bon, à l'époque, le Rai était pratiquement interdit d'antenne. Voilà. Et la première cassette de Raina Rai est sortie. Je l'écoutais et puis je vois un titre, Zabana. Tiens, j'écoute le morceau Zabana sur la première cassette de Raina Rai. Et donc, le soir même, alors que le Rai était interdit d'antenne à la radio, aberration, bon. Donc, diffuse Zabana de Raina Rai, ça a été le premier titre Rai. Et bien sûr, ça n'a pas loupé pendant la diffusion, coup de téléphone de la direction, comment c'est du rail, etc. Mais écoutez bien, c'était une chanson sur Ahmed Zabana, premier condamné à mort. Il y a le Béli,
Oui, et donc, tu peux pas. Tu justement, peux pas. Entre autres classiques du groupe Reina Rey, c'est donc Yezina Serbilatei. Zin et Raï Kharj, Sidi Yassine, c'est entre autres commune de Sidi Belabbas. C'est pas très loin du chef-lieu de la wilaya de Sidi Belabbas. Et je le disais, Raïna Raï qui a fait, on va dire, qui a connu un franc succès par la suite. Justement, c'était, on va dire, un autre style du Raï. C'est le groupe Djilal et Amarna. Et j'ai eu la chance, on va dire, et l'occasion de rencontrer Djilal et Amarna. On va dire, à quelques semaines de son décès, Berahmoud Salé, c'était un grand monsieur. Et du haut de sa maladie, de son, on va dire, âge assez avancé, il était là, son public était toujours conquis, on va dire, jusqu'à la fin de sa vie, Berahmoud Salé. Et il y a eu par la suite, on va dire, votre arrivée sur Canal Algérie, vous avez apporté, on va dire, votre background à la télévision algérienne, c'était par la suite Aoutar, l'émission sur Canal Algérie avec Khaldi, toujours là, les membres de la chaîne 3. Sympa. Et c'était aussi, entre autres, belle expérience. Absolument. D'ailleurs, c'est super agréable de travailler avec, Khaldi. Et j'attends toujours une émission qu'elle revienne à la télé. Parce que voilà, l'appel est lancé. C'était super bien. Voilà, l'appel est lancé à notre directeur, M. Adlan Zadori, qui nous écoute et qui nous regarde. Voilà, c'est le réflexe radio qui nous écoute, qui nous regarde ce soir. Peut-être, on va dire, on verra le retour de l'émission à Aoutar avec toute la team. Justement, il y a eu aussi un grand monsieur de la chanson algérienne, et particulièrement Kabyle. Il garde toujours, on va dire, sa coupe, sa coiffe. Le même punch, la même tenue, la même coupe de cheveux. Il s'agit là de une énergie débordante, bien sûr, El Razi. El Razi. Elvis. Algérien. Vous connaissez El Razi, Mehdi? Non. Oh, Mina, je suis sûr qu'il connaît le titre. Oui, peut-être le titre. Alors, on va lui rafraîchir la mémoire. Et le titre, c'est Allons-y, Razi. Oh là là! Retour à Mehdi, est-ce que vous connaissez le Razi? Bien sûr. Maintenant, oui. Maintenant, je t'achète. Un classique de la chanson algérienne, et Kabyle en particulier. Et justement, le 15 octobre dernier, l'Algérie faisait face, on va dire, dans le cadre d'un match amical face à la. Le 15? Non, le 15 octobre dernier, l'Algérie jouait un match amical avec. Le Congo? Non, la Colombie. Non, Colombie. La Colombie. Et on a gagné 3-0. Et qui dit 3-0? هو
ضغط الميدان السبع ما ننساش في لعب فنان السادس ما يعياش هو غزل الميدان السبع ما ننساش في لعب فنان قفات وما ترحمش وكل شي بالبرهان قفات وما ترحمش وكل شي بالبرهان جيبوها يا الاولاد ان شاء الله يا الاولاد جيبوها يا والهجوم فالكره يتحكم مسؤول بدور يقوم الثامن راه ينظم الدفاع والهجوم فالكره يتحكم مسؤول بدور يقوم والتاسع ياك معلم الشجاع ما يخاف التاسع ياك معلم الشجاع la suite. Bravo pour le 11 national. Sahtek Fazia. C'était une très bonne gorgée d'eau. Merci HKM. On va dire que vous nous avez replongé on va dire, dans cette box à musique nostalgique. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire s'agissant de Bahara et que nous saluons, on va dire, Sadr al-Jamaoui du groupe Bahara. Moi, je pense qu'à l'époque, il a trouvé la bonne idée, l'a exploité, ça marche. Je dis, il a eu une idée géniale en 82 avec la qualification de l'équipe nationale pour la Coupe du Monde. Et il a trouvé le bon filon et ça a marché. Je pense qu'en 82, c'est le titre qui a été le plus repris. Voilà, il y avait Oustadi aussi. Voilà. Oui, parce que juste pour rappel, on est en train de parce que j'ai dit, au lieu de dire Bahara, j'ai dit Bahara. Il y avait Oustadi aussi. Bon, Fatiha Beni Saad, notre rédaction chef, chauffé de Namara. Alors, je voulais juste vous dire que, aussi, Didier Kim a quelque chose à nous dire. Avec ses beaux cheveux. Merci, c'est magnifique. Beaux cheveux. Mais il magnifique. Va nous dire musicalement parlant, bien évidemment. Bien sûr, Mounir. Vieux temps. Et justement, le bon vieux temps, parlant d'émissions télé, j'imagine aussi ce sont génériques. Moi, je suis arrivé, ce qui m'arrive. Mais c'est grave, là. Je suis branché à la fibre optique ce soir. C'est juste un problème de fibre optique. Je le disais, les génériques d'émissions télé reviennent à chaque fois. Et surtout, les génériques d'émissions qui ont connu un grand succès à l'époque, à l'image de Fazil Kunz. Al-Hadiqa Sahira. Ah là là, Hadiqa Sahira. Alors, les jeunes, Hadiqa Sahira, c'est un peu l'équivalent, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas où tu fais un tout moment. Tata Linda, belle avec les cheveux. Et encore, non. Ça existe encore. Non, c'est Rahat l'Ethnaïm. Ça existe. Ah ouais. Alors, Hakim. Non, ça n'existe pas. C'est un autre concept. C'est un autre concept. Juste pour rappel, Hadiqa Sahira, c'est arrêté il y a. Ouais, mardi après-midi. Ça va, sinon. Sans les suivis, Ahlan Ahibai, puis Istirahat l'Ethnaïm, ça donne. Istirahat l'Ethnaïm. Ah ouais, les banat, oui, les banat. Merci, Mina Abed. Heureusement qu'on reconnaît. Et c'était présenté par Tata Linda et par contre Hadiqa Sahira s'est présenté par au début je pense qu'il n'y avait pas de d'animateur ou d'animatrice c'était il ramenait des enfants de plusieurs écoles et elle a sillonné l'ensemble du territoire national. Là, quand on va sur Internet, par exemple, on fait des recherches, on voit les commentaires des internautes qui demandent, par exemple, ils demandent à la télévision de mettre en ligne les archives de leurs écoles. Alors qu'il y a une Louette, Taman Rasset, vraiment l'ensemble du territoire national. Après, en 73, c'est Mama Nedjoua qui a fait son apparition. Qui a commencé l'aventure de Hadiqa Sahira, une émission réalisée par Bachir Belhadj. Justement, à l'époque, voilà. Le grand Bachir Belhadj. Un petit extrait et on va se rappeler de ces bons moments. Enfin,
On va replonger nos téléspectateurs dans cette belle botte à nostalgie. Hadera Sahira. On regarde, on revient juste après. Aujourd'hui. Voilà, jamais 203. Justement, je voulais revenir sur... Deux secondes, je veux parler de la petite. Avant, la petite qui... je voudrais juste faire un petit... je vais revenir sur votre look. Justement, ce soir, on va dire un petit clin d'œil de la part de tout le monde. Et est-ce que vous vous rappelez de ces autres qu'on a achetés? Oui. Soit on les collait, soit on... les, voilà. Non, voilà. Joe Béron. Voilà. Elle voulait dire quelque chose à propos de la fille. Et on va revenir à Madik Shkouli qui a, on va dire, quelque chose à dire à propos de... La petite fille, elle s'appelle Hiba. Mmh. Et elle est, quand elle a grandi, elle est devenue enseignante. Très bien. Voilà. Elle a de ses nouvelles? Non, pas mariée, des enfants? Non, je pense pas que. Alors, Medic School, ce genre de... n'importe quoi. Medic School, on va dire, il a quelque chose à dire à propos de oui. L'extrait oui, de Hadera Sahera. Concernant le générique de Hadera Sahera, eh ben, dans le groupe Old School des Arts, on le reçoit 200 fois par jour pour approbation. Hmm. C'est dire à quel point ça a marqué. Voilà, à quel point ça a marqué nos audits, si on veut. C'est incroyable. Tout ça, ça fait plaisir, bien sûr. Il y a celle-là, et il y a aussi Hadiqati Han al-Awan. Oui. Voilà, merci. Hadi, c'est la fille qui la chante. Justement, il y a aussi une autre. Il y a eu aussi une autre émission, à savoir le Ciné-Club présenté à l'époque. Le Ciné-Ciné-Club. Télé-Ciné-Club. Ah là, Télé-Ciné-Club, justement. Et c'était présenté à l'époque par... Par le grand monsieur cinéma, Mohamed Bjaoui. Voilà. Mohamed Bjaoui. Voilà. Il l'a animé de 1969 à 1989. Mais selon ce que j'ai pu trouver comme information, il semblerait que cette émission ait été déjà animée par deux autres personnes avant que lui arrive. Voilà. Et donc, c'est une émission qui a démarré avec le festival le PANAF, voilà. Donc en 69. Et elle a été réalisée par Hadj Rahim. Au départ, elle était en français. Après, est devenu en arabe. On est passé à l'arabe. Voilà, il l'animait. Justement, il est passé cinéma. Entre les des deux langues. Et donc il nous a fait aimer le cinéma. C'était justement tous les mardis à 21h. On était tous en face de Sundok Lajub. C'était un animateur qui a marqué les esprits, a marqué les téléspectateurs de la télévision algérienne à l'époque. Alors, on regarde un extrait okay. De Télé-Ciné Club présenté par Ahmed Bjaoui. Thank you.
Le départ a été... Elle a été produite, c'est ce que j'ai vu, j'ai trouvé comme information. Elle a été produite par Bouchouchi, mais réalisée par Hadj Rahim. D'ailleurs, il y a un générique qu'on peut retrouver, en noir et blanc aussi, Ikhraj Hadj Rahim. Oui, bon, dans celui-là, mais elle a été produite par Bouchouchi. Et la plupart du temps, le réalisateur, c'était Bouchouchi. Mm-hmm. Enfin, bref. Bon, mais dans, en 69, jusqu'à 89, donc peut-être qu'entre-temps... Voilà. Ouais. Voilà. Voilà, mais bon, il nous a fait aimer le cinéma. Là aussi, je crois. Il y avait des chefs-d'œuvre, hein, donc des classiques du cinéma national et étranger qui passaient dans l'émission. Il y avait le film et ensuite le débat. C'est ça qui est intéressant. Des années par la suite. Voilà. Et attends. Donc parmi ces chefs-d'œuvre, voilà, stop. Parmi ces chefs-d'œuvre, il y avait l'opium et le bâton, hein, de Ahmed Rachdi. Et en fait, je tenais à rendre hommage à une des actrices qui campait le rôle de Farouja. Hein, elle est décédée la semaine dernière, c'est Marie-Josénat. Voilà. Justement, c'était une grande dame du cinéma, on va dire, international, qui nous a marqué, on va dire, dans son rôle. Il y a eu la maman de c'était avec Sidali Kouelet, si je ne me trompe pas. Ouais. Voilà. Il y a Ali. C'était... Magnifique film. Allah yarham shuhada. Voilà, justement, il y a eu, on va dire, par la suite, des une productions, autre émission d'autres marqué, émissions. Ils en ont parlé. Et notamment des émissions consacrées à la musique. La musique, le divertissement, oui, dans les années 80. Alors, c'est Bled Music. Bled Music, oh là là. Monsieur Larroussi connaît parfaitement. Donc, au début, animé par Kamel Dynamite et réalisé par Aziz Mati. Aziz Mati, que nous saluons. C'est ça. Pardon. Merci, c'est sympa. Réalisé par Aziz Mati. Et Kamel Dynamite, présenté par Kamel Dynamite, c'était que nous saluons. Début des années 90 début. Plutôt que les années 80. D'accord. Oui. Bah c'est bien d'avoir comme ça voilà, la source. On a la source. Je me disais, je vais faire c'est mes courses d'information. Aussi. Oui. Je fais un grand camp. D'ailleurs, grand en fait, l'équipe s'éclatait énormément. Hein, c'était exact. Un délire de ouf exact. Et tout. Tout vraiment, nous. Il s'éclatait. Il n'y avait pas de dress code. Il n'y avait pas de. Il parlait le dialecte. En fait, cette équipe, c'était la seule et unique équipe qui avait une commission d'écoute. C'est-à-dire que pour passer dans Bled Music. Il faut passer par une commission. Et je crois qu'il y a des cas des morceaux, des dizaines par jour qui ont été rejetés parce que la qualité est mauvaise, parce que et le puis texte surtout qu'on ne pouvait pas tout faire. Tout on faisait les clips et l'émission, alors qu'une émission qui passe, qui fait un hit-parade fait l'émission et récolte des clips, des boîtes, alors que nous, on faisait tout. Je pense qu'à l'époque, le champ audiovisuel était vierge et toutes les conceptions étaient les bienvenues, justement. Et il y avait une certaine diversification, la diversité, autant pour moi, je perds mon latin. Justement, il y avait à ce moment-là une certaine, on va dire, un patchwork de conception télé, d'émissions télé, que ce soit, on va dire, dans la musique, dans le cinéma, etc. Et justement, tout était permis et le téléspectateur découvrait au fur et à mesure. C'était là, avant l'avènement, on va dire, de tout ce qui est chaîne parabolique par la suite, qui, on va dire, laissait le champ aux Algériens de comparer. Voilà, on va balancer balancer l'extrait plutôt, le générique de l'émission Bled Music, The Émission. Comme vous avez pu le voir au générique, les dominos, là, l'effet domino, en fait, c'est un peu symbolique parce que l'émission entraînait tout sur son passage, puisqu'elle était vraiment, vraiment très suivie. Et tous ceux qui passaient, pratiquement, hein, à part la suite, sont devenus des stars, hein, à l'instar de Polyphène, Jalti. C'est-à-dire, vraiment, c'était un tremplin pour les artistes. T34, Cheb Anwar à l'époque. C'était l'émission casse-départ pour la plupart, on va dire, des grandes étoiles de la scène musicale algérienne. Mehdi, alors quand je vous dis fin des années 80, début des années 90, est-ce que vous vous rappelez des artistes? Quel est l'artiste qui vous vient en tête? Ben, il y avait Mami, Cheb Mami, oui. Polyphène, Hassiba Amarouche.
Ah là là, Hazim. Mohamed Lamine. Farhi Oussadi. Oui, Farhi Oussadi. Regardez beaucoup. Et avec peu de moyens, on faisait beaucoup. Et on n'avait pas que ça aussi. Il y avait même Shiurtan, Ahmad Zahé. Ah oui. Il y avait Kamal Msaoudi, Allah yarhamou. Rabbi yarhamou Saleh, justement. Donc on avait beaucoup d'artistes. Beaucoup, beaucoup d'artistes. Et je pense, merci Fazil 15, bon, on va dire, pour ce flashback magnifique qui nous a rappelé une très, très belle époque. تاعنا الغنية تاعنا الغنية واللي اسمها الغنية ماتشي بوس ماتشي بوس وي يلا ماتشي بوس از نوت بيبي از نوت بيبي هيا هيا Medic School, je rappelle le mon fondateur de la page Facebook Old School. Mina se rappelle et nous fait rappeler une période, c'est à travers aussi les jeux, notamment. Oui, on faisait travailler notre tête. La jojota. Eh ben oui, on était très inventifs, je crois, que, quand on était petits, par rapport à la génération actuelle. Mais la génération actuelle est tout le temps connectée tout au téléphone. Tout le temps connectée, voilà. Ils sortent pas, voilà. Ah si, si, quand des crèches, on joue. Bah, ouais. Connecté. Mais moi je parle de la rue, quand on sortait avec les amis, physique, quand on jouait. Surtout. Même quand on n'avait rien, on n'avait rien, mais on jouait quand même. La bouboule, si, si, je quand même. Tu vois. Non, mais c'était Sabon, quoi. C'était. Alors, Mina, est-ce que vous vous rappelez du cerceau? Qui a joué? Cerceau. Et ouais. Comment? Oui, oui, oui. Bien oui. Sûr, bien sûr. Cerceau. Mounia. Bien, heureusement. Ouais. Yes. Il y a un problème d'équilibre. Le public, je ne crois pas. Ah oui, voilà, ça, ça, ça. Oui. Si. Cerceau. Est-ce que l'abs cerceau? Mais l'abs cerceau, le fait des deux. Ou bien. Allez, avec des deux. Et mes chefs à Maroc. Il y a des jeunes qui le jouent encore. Il y a des jeunes qui le jouent. Pas beaucoup. Je suis là. Pas beaucoup, c'est par rapport à avant, pas beaucoup. Ça m'étonnerait, mais bon. Je crois pas. C'est des préjugés. Mon quartier, non, mais quand même. Maintenant, ça se botte. Donc, oui. Joue, alors, c'est rare, hein. Justement, on prenait, on va dire, allez, juste, la roue. Orange. Comment? Tuyau orange. Tuyau orange. Le fameux, tuyau orange. Tuyau orange. Et avec un petit bout. On essayait d'accorder ça. Un bout de bois, justement. C'est trop long. Voilà. On colle. Exactement, mais on colle et on fait bouger ça avec. Avec le truc. On fait rouler. Avec un bâton. C'est pas. C'est le silk. Le silk, voilà. Voilà, et on courait. Là, j'étais un as de Rechega. T'as arrivé Rechega? Ouais. C'était magnifique. Fatma Jo. L'éclex, Bartrika. Justement. C'était soit Bilmous, à la traite de Bilmous avec Dar et Tal Batata. Soit le tournevis, merci Bayet. Tournevis, je pense que. C'est bien, c'est une preuve qu'un monde est un état d'esprit. Non, voilà. il a 70 ans, non. Il a une carcasse. Il est déguisé. Il est déguisé, c'est pas normal. Il est déguisé. Non, justement, c'était, on va dire, un jeu fédérateur où on réunissait, on va dire, les voisins, les cousins. On était là-bas, les adultes se prêtaient. Exactement. Oui, on jouait avec nos grands-mères, nos mamans aussi. C'était juste magnifique. C'était magnifique. Ça nous rappelle une période assez. Ça nous rappelle l'innocence et l'insouciance, surtout. La période où on dormait avec nos cousins, nos cousines dans une seule chambre, c'était fait mal. C'était ça. C'était ça. Roulement. Alors. Je suis là, roulement. Allez. Jamais
Bien sûr, on a fait le rôle mort, Jacques Bell. Madame, c'est le mort. Tu as joué. Mais bien sûr que j'ai joué. Bien sûr. Parce qu'à l'époque, c'était pour les garçons. Même si c'était pour les garçons, les filles étaient un peu garçons. Non, mais les filles étaient des passagères, genre là, quand quelqu'un est de la passée. Non, je suis pas d'accord. Non, je vois. Ça m'écoute, il y a des rires de... Bien sûr, c'est pas là. Ah, qui est cassé ta tasse, Navour. Ah, qui est cadre, c'est oui. Alors, je disais, roulement, c'est aussi ce... Il y a le génie. Kim, tu te rappelles de roulement? Vraiment, il y avait le génie dans la conception, ou plutôt en confectionner ce jeu-là, qui était vraiment difficile. C'était pas la plupart, car je suis mécanicien. Il marche mécanicien, cartolier. Des génies aussi, hein, parce que. Il n'y avait pas que ça, les baby-foot. Oui, oh, ça va. Le train aussi, avec les boîtes concert à sardines. Non, je pense que c'était Tish Machina. Les roues avec. Ah? Tish Machina. Les roues avec les bouchons. Fallait que ça rime, hein. Bah oui. Imagine Marc Santella. Il y a aussi le jeu préféré des filles. Je connais la marelle. Bien évidemment. Là, ma. La marelle. Comment? Indémodable. O mais un, celui-là, il est pas bon. Il manque le ciel en haut. Ils n'ont pas écrit ciel. Bon, le ciel, vous connaissez pas le ciel. Ah, encore connaissez le ciel. Si tu as la suite, il y a des ciels. Non, ciel. Non, Tasman, tu veux dire Tasman. Ah, regardez ma chouette. Non, mais non. Ah, où est-ce que? Voilà. Je paye. Ah, voilà. Avec voilà. Et avec quoi on jouait? C'était avec comme ça chez moi, c'était pas voilà, ça. Tout à fait. Ça. Alors, je disais, il y a eu aussi des jeux qui parlent, un autre jeu qui parle aux filles et aux garçons. Et là, je parle de. Zerbot. Zerbot? Non, Qareda. Qareda. Zerbot, Qareda, oui. Les onzelets. Les onzelets. À la base, c'est les osselets. Oui, c'est beaucoup les prononcer les onzelets. Et justement, tu m'as tendu la perche. Les onzelets. Tu les as ramenés de chez moi. Aïe. Ah, celle-là. Ah, ah, ouais. Un des cinq. Les cinq petits cailloux. La preuve. Voilà. Viens. Vas-y. Mais je peux pas. Vas-y. Mais je peux pas. Attends, voilà. Je vais essayer de jouer sur le... Non, essaye. Je peux pas. On jouait par terre. Barkaïna. Mais je peux pas, maintenant j'ai 10 ans. À genoux, essaye. Maquita. Mais normalement, elles sont polies, voilà, je veux dire, bien rondes et tout. Elles sont mal éduquées, celles-là. Mal polies. Ouais. Après, tu faisais... Après, ça faisait 2-2. Ça faisait 2-2. Ah. Voilà, après ça faisait 3. Elle est là, c'est bon, hein. Donc, il m'a mis son aigle. Merci. Merci, Fazia. Et c'était un jeu qui n'était pas, on va dire, approprié aux filles uniquement. Les garçons se prêtaient à ce jeu-là, assez, on va dire, assez difficile et assez compliqué pour certains. C'est facile au début, mais après ça se complique de plus en plus. Ça se complique. Il y avait aussi un autre jeu, à savoir... Zerbot. Ah oui. Le fameux, la toupie. Et Fazia détient le Zerbot, le fameux Zerbot. Est-ce qu'il y a fait la Zerbot? Si, mais la corde est trop courte. D'accord. L'experte. Alors justement. L'expert, parce que elle est trop elle glisse. Alors pour la nouvelle génération, c'est la toupie. Zerbot. Est-ce que je fais un Zerbot? Mais ça se joue encore. Ça se joue encore. Justement. Ça se vend toujours, mais. Ouais. Non, maintenant il y a des. Oui, Mounia. Maintenant il y a des toupies spéciales où on tire une ficelle et puis. Mais c'est pas la même chose. Oui, mais c'est les toupies de maintenant. Nouvelles toupies. Voilà. Alors c'est pratique. C'est pratiquement le même. Oui. Alors je me permets. En bois. C'est ça le fameux Zerbot. On l'a. Et merci aussi encore une fois à Yasmine Tsavès qui nous a ramené ce Zerbot là, si vous permettez. Et c'est en bois et il est authentique. C'est vraiment vieux. Bois rouge. Bah, c'est du bois. Bois rouge. Mais qui est vert déjà. Ouais. Qui a bien vécu. Ouais. Alors, juste magnifique. Et justement, ce sont, on va dire, c'est une texture, c'est des formes qui nous rappellent encore une fois une période. Hakim, quel est le jeu qui t'a marqué le plus? Oh, pin foot. Pin foot. Voilà. Oui. Kim. Charretta. Tascobidou. Ah oui, Tascobidou. Le chemin, quand tu quittes ça le chemin, c'est que tu avais une Mercedes. Madé,
Quel est le jeu qui t'a marqué le plus? Ben, c'était le mois de Ramadan, Tchouptchak Madekan. Je l'ai dit, je viens de le dire, c'était le... C'était génial ce jeu. Tchouptchak Madekan, il faut la descente de Victor Hugo. Une descente de Victor Hugo. Tu prends Tchouptchak, tu déjà... Est-ce que tu te rappelles le Claude Fémé? Oui. Claude Fémé. Oh, ça fait mal. Ça fait très mal. Je perdais souvent. Il y avait toujours un voisin assez malin, rien de tout ça là. Maman est allée, on va faire tu vois. Jamais. Mais il y avait la deuxième partie l'après-midi, et c'est ça. Je pense que c'est une période, c'est des jeux qui nous ont marqués, qui ont marqué pratiquement tout le monde, Kim. HKM, tu disais, alors tu disais avant le break musical de Kim, il y avait les jeux intellectuels aussi. Non, je disais, c'est surtout des jeux de société. On était obligé de jouer avec les autres. Ouais. Très c'est bien. C'est ça, enfin, en fait, on est obligé de jouer avec les autres. Justement, des jeux fédérateurs, on était là en groupe. Le Scrabble. Je pense que c'était le but de ces jeux-là à l'époque, c'est ça, et c'est le plus important. On arrive justement... au moment fatidique pour parler de l'Qasdira. Alors, la dernière fois, lors de notre première émission de cette année, il y a eu l'étoile d'or. L'étoile d'or, après le quiz, la première et deuxième partie, il y a eu Manette Google, que nous saluons au passage, qui avait gagné. Et ce sont nos invités, vous allez jouer avec nous, vous allez vous prêter au jeu. Il y a des marqueurs, il y a des ardoises, et vous allez devoir répondre aux questions que je vais vous poser. Et le premier qui lève, on va dire, l'ardoise avec la bonne réponse, marquera le point. Si l'un de nos invités gagne... Cette fois-ci, l'étoile d'or et la Qasdira, d'accord? La Qasdira, vous allez offrir, on va dire, cette étoile, cette Qasdira. Cette Qasdira va permettre à l'un des chroniqueurs de garder l'étoile pendant deux émissions consécutives. Ok. Ben, non? C'est bon? Alors, c'est parti. Première question, c'est aussi cité. J'ai rien fait. Je dis bien. Cité. Mais je lui ai pas demandé. Oui, citer le nom de l'un des membres du groupe 2B3. Citer le nom de l'un des membres du groupe 2B3. Adèle, Philippe, Adèle, Pascal, non, non Hakim, point d'interrogation, HKM pas du tout. Et la bonne réponse, c'est Mina Abed, c'était Adèle. Il y avait Adèle, Philippe. Il y avait Philippe, qui a disparu au jour d'aujourd'hui, et Franck. C'était justement le groupe qui a marqué groupe, la fin, le début des années. Oh, comment là, c'est un groupe choix. C'est un groupe pour filles. Qasdira. Les filles réagissent. Oui. Ah non, c'était des le beau loulou. Ouais. Bah, ça donne un effet, le beau loulou. J'ai écrit Pascal. Qui c'est? Allez, Pascal. Le bon point va à Mina Abed, soyez fair play. Hein. Mais dès que je suis le membre fondateur de la page Facebook Old School, justement... Old School. Old School. Eh ben, yeah. Comment s'appelle le réalisateur de la grande et belle comédie musicale L'Hna L'Amel? Sérieux? Comment s'appelle le réalisateur de la comédie musicale algérienne L'Hna L'Amel, ce téléfilm dans lequel a joué Abdelrahman Jalti? L'Hna L'Amel. Mauvaise réponse. Alors, Fazil Ken, dis-moi. Esmaïl et Mina Abed. C'est moi. Alors la honte. C'est quoi? Pas du tout. Ah oui. Quand même, vous me décevez. Oui, vous me décevez. Oui, hein. Oui, moi, c'est la honte. C'était Jamel Fezzaz, Rabbi Rahman. Exactement, voilà. Le grand Jamel Fezzaz qui a signé la comédie exactement. Musicale. Zéro partout. Toujours Mina Abed qui mène un point, avec un point. Alors, le old school, c'était algérien. Hein. Tu me déçois, Madia. C'était pour les filles, les garçons et toute la famille. Hein. D'accord. Ouais, oui. Justement, alors, troisième et avant-dernière question de cette première partie du quiz. Comment s'appelle, toujours dans le téléfilm L'Hna L'Amel, comment s'appelle le comédien
qui avait pour mission de battre Abdelrahman Djelti à Tipaza, au tombeau de la chrétienne. Comment il s'appelle l'autre? Je sais comment. Mais allez, je vais mettre un mot sur le film. Qui m'a t'habé? Nabil, non, pas du tout, c'est pas ça. Je peux donner autre chose? Badour. Badour, non. Quel mot? Adel. Encore une fois. Mais c'est facile, c'est facile. Bonheur. C'est là. Non, quand même. Attends, c'est. Ah, vous séchez, mais franchement, non. Ah là là, vous me décevez. Alors, une bonne réponse. On est jeune. Je connais les drapes Abdelrahman Djelti fait. Oui, avec le mécanicien. Son vrai nom, là. Ah? L'Indien. Non, non. Bonne réponse. Merci à l'un des cadreurs qui est là. C'était Hamid Achouri. Oui, voilà. Oh là là. Applaudissements pour Hamid Achouri. Hamid Achouri qui avait pour mission. Et c'était Msbah. C'était le grand comédien Msbah qui avait, on va dire, payé Hamid Achouri. C'était lui qui s'appelait Nabil. Dans le bah, film. Exactement. Justement, c'est pour ça que j'avais dit non, c'était pas ça. Alors, elle est facile. Elle est facile. Elle est facile. On commence à tricher. Ouais, bon. Comment? Il n'est plus de ce monde, Rabbi Rahmou Yusale. Il nous a quittés il y a, on va dire, quelques années, enfin, deux ans, on va dire, Rabbi Rahmou Yusale. Il avait opté pour le style musical maghrébin, marocain, j'ai envie de dire. Il avait une danse assez particulière. Comment s'appelle ce chanteur-là? Oh, je vous déteste. Pas du tout, pas Hakim Salahi. Non, c'est l'autre, là, avec la calotte. Voilà, ah oui, net. Bonne réponse, Mehdi. Pour le quiz, première partie, un point pour Mehdi Kchkoul et un point pour Mina Abed. On les applaudit. Ah là là, magnifique! Merci de vous joindre à nous. Vous regardez Canal Algérie, le talk show C'est à nous. Vous êtes de plus en plus nombreux à aimer la page Facebook de l'émission C'est à nous, slash plutôt tiré Canal Algérie. Et justement, merci pour vos messages d'encouragement et aussi le compte Instagram C'est à nous, tiré Canal Algérie. Et oui, même si on parle vintage, on est branché réseaux sociaux. Et les jeunes, même maintenant, Instagram, on a le mouchkil, un problème. Oui, 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 oui. Attendez, je vais appeler. Je vais appeler Mounia Witty, je ne sais pas, j'espère qu'elle va répondre. Et à l'époque, si vous vous rappelez, il y avait un cadenas. Oui. Il y avait mais le on, génie mais on algérien. Comment faire, comment je me rappelle, composer. Il y avait mes cousines, Faisa et Hassipa. Ils sont installées en France aujourd'hui. Alors, elle faisait ça. Je n'ai jamais compris le principe, mais ça faisait ça. Par numéro. Mais tu mets le numéro. Oui, si c'est 5, tu appuies 5 fois. Si c'est 0, tu appuies. Fallait faire, il fallait penser à ça. 10. Non, non, c'est 10. Tu appuies 10 fois. Mais à l'époque. Pour 0, on fait quoi? 10. Sérieux? Mais ouais. Oui, le premier numéro, c'est le 1. À l'époque, il y avait 0, 2. 0, 1, 0, 2, je sais pas. Et... Non, à l'époque, il n'y avait pas de 0. Il n'y avait pas de 0 avant. On va passer à Conseil Santé. Voilà, parce qu'avant, il y avait les spots publicitaires commerciaux et aussi il y avait des spots, mais de sensibilisation. Des campagnes. Voilà, de sensibilisation. Des campagnes de sensibilisation. Et des campings de sensibilisation, ça. Voilà, comp. Si tu as fait ça, arrive, ça arrive. Voilà, recouvre-toi. Donc, je sais que tout le monde connaît la fin de cette campagne. De cette campagne. Donc, on va commencer le début, on va la voir, et puis après, on va revoir. Allons-y. التطعيم ضد الشلل وقتاش نطعم ضد شلل الأطفال أنا سيدي أنا سيدي أنت؟ 3 شهور تطعيم الأول 4 شهور تطعيم ثاني 5 شهور تطعيم ثالث والإعادة 18 شهر الإعادة نعم الإعادة في 18 شهر وقتاش نطعم الحصبة يعني البوحمرون في 9 شهور نعم نطعم ضد البوحمرون والإعادة إعادة 18 شهور voilà tout le monde justement
Tout le monde se rappelle de ça dès qu'on dit publicité, quand on dit vaccin. Monde, je disais donc que tout le monde se rappelle de ce spot. Hein. Quand on dit vaccin, tout le monde dit « et adore ». Et je me rappelle aussi d'un spot de sensibilisation, Mehdi Kchkour. Est-ce que vous vous rappelez de la Hakim et Mehdi, de cette campagne de sensibilisation, j'y arrive, de cet enfant qui se rapproche de cette casserole sur le feu. Oui. Voilà. Oui. Ah, justement. Mehdi. Hitchcock. Je me rappelle aussi Talger. Oui. Le Béra. Ah oui, oui. Ah oui. C'était la même, je crois. Hamla d'Et Menfa'am. C'était la même période. Hamla d'Et Menfa'am. Oui. Oh là là. Les feux tricolores. Pour savoir quand est-ce qu'on devait traverser le rouge, le vert, ainsi de suite. Tu te rappelles pas Si, et je rappelle même de la mélodie. La mélodie, je l'ai pas encore, mais... Ton exactement. Voilà. Ah oui. Voilà, c'est ça. Oui, Hakim. En parlant d'eau, ce serait bien de passer la chanson... Djelma, notamment. Djelma, c'est génial comme chanson, vraiment. Et c'est une chanson... Alors, justement, ça rentre dans le quiz. Qui a écrit cette magnifique chanson chantée par Salah Ougrout, qui a écrit les paroles de Djelma, notamment. C'est lui, non? Non, aucune idée. C'est Abdelmajid Mesoud, longue vie. Oui, Abdelmajid Mesoud, justement, c'est le grand Abdelmajid Mesoud. C'est vrai. Bravo. Exactement. Et Mounia Wittis. Alors. Ah là là. Je me suis baladée un peu sur les réseaux sociaux et avec l'aide de mon voisin à Hachkem. Oui. Donc, je vous ai apporté une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux. C'est des jeunes de cette génération qui ne savent pas ce que c'est qu'une cassette, qui ne savent pas ce que c'est qu'un Walkman et qui ne savent pas comment utiliser les deux. Comment associer les deux pour faire sortir la musique. On va regarder. Sans plus tarder, on regarde cette magnifique vidéo. 1 minute 30 à faire entrer la cassette. Oui. Justement, après, qu'est-ce que j'allais dire sans les suivis? Les baladeurs CD. Baladeurs CD. Ah oui. Mais qu'est-ce que ça donne? Alors, Mina Abed, qu'est-ce que ça donne lorsque les piles... Khalas. On est mort. Non, la chanson. Ah, alors, je vous donne un petit. Des déwa, des matériaux. Et les cassettes, c'était Grouabir, Berahmou. C'était. Hichem Habibida. C'était qui? Hichem Abbas. Cheb Hassani, Allah, Berahmou. C'était aussi un cocktail de boys and girls, les boys band et les girls band. C'était juste magnifique, DJ Kim. My love is right. My love is right. My love is right. Merci à vous, merci de choisir Canal Algérie pour votre soirée, le jeudi soir, c'est donc C'est à nous. Et justement, on arrive à la deuxième et dernière partie de notre quiz. Cette fois-ci, le quiz est musical. J'ai envie d'applaudir notre public qui est réactif ce soir, le public de Monica. Merci public. Alors, DJ Kim, alors, je vais être honnête avec vous. Je connais aucun extrait musical. Je vais jouer avec vous. Zaha. Et l'ardoise qui revient. Celui qui devine, on va dire, le chanteur, ou plutôt l'interprète, et le titre de la chanson. Les deux? Les deux, oui. Les deux? Non. Bah, écoutez. Tu es fort. Je suis perdante déjà. Je perds d'office. C'est pas évident? Oui. Non. Bah, écoutez, l'interprète, ça vous va? Là ou l'autre. Et encore. Non, pas du tout. Bon, l'interprète. Non, je. Au moins l'interprète. Alors, l'interprète. Magic School. L'interprète. Oui. L'interprète. Ok, c'est parti, l'interprète. DJ Kim, let's go. Quelle est chose. Yes. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez rien comprendre. Moi. La bonne réponse est Fred Lamy. Et c'est Basia qui a la bonne réponse.
Alors juste pour rappel aussi, Mohamed Lamine qui a marqué la scène musicale à l'époque, alors rappelons-le qui s'est retiré aujourd'hui, qui fait plus de... C'est retiré, tout simplement. Il est là, il prépare, il fait dans le Madih Deni, si ma mémoire est bonne. Alors, un autre point cette fois-ci, à Faziel 15, Kshkoul, Emin. Alors là, le côté Ada, Hakim Larossi, les bons réalisateurs, des beaux clips, d'autrefois, de belles émissions. Non, parce que là, ça devient un concours de rapidité. À deux secondes, c'est la réponse. Allez, de mauvaise foi, Mounia Wittis. Non, je suis pas de mauvaise foi. Gatlek Lala, machine interprète ou le titre. Là, ils sont plus rapides. J'arrive pas à écrire rapidement. Pourquoi ils ont été plus rapides? Pourquoi non, mais Bukimev leur donne. Je suis désolé. Alors, deux secondes. Alors, deux secondes. On n'est pas là pour juger. Alors, Hendero, encore mieux, pour cet extrait-là, réponse verbale. Verbal. Et on verra encore une fois Mounia Wittis qu'est-ce qu'elle va nous ressortir. Extrait, let's go. J'ai mal. Mounia Wittis, elle fait mieux. C'est qui la chante? C'est qui la chante, Mounia, s'il te plaît? Je me rappelle du Ah Yamina. Après qui la chante, je sais pas. C'est pas Khaled. C'est Khaled. Non, c'est Dom. C'est qui? Hakim Salhi, bonne réponse à Sam. Alors, c'est bien, continue verbal. Il a répondu en génial. Premier. Ah non, non, pas du tout. Ah non, 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 c'est les règles non. Non, 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 franchement. Je voulais juste tester la mauvaise foi de. Elle est outrance. La mauvaise foi de Mounia Wittis. Mounia, je me sentais le carré. Elle a posé la question. Et voilà. C'était ça la question. Alors, on revient donc aux règles du quiz, à vos ardoises. Troisième extrait. Faziel 15 encore une fois, deuxième point. Tu regardes. Mais plus rapide. Pas du tout au départ, mais on comprend rien. Mais la chanson, c'est simple. Mais c'est ça le jeu. C'est ça le but. Je veux plus voir les choses en face, ça y est. Le but, c'est de mauvaise foi de l'équipe. Merci. Cette fois-ci, la mauvaise foi passe à l'invité Hakim Larossi. Content. Allez, quatrième extrait. Alors, juste, on lance l'extrait normal. Cette fois-ci, c'est le côté mauvaise foi. Ah, je savais pas, moi, qui devait. Top. Bonne réponse, Madik Shkoul Hassib Amrouch. Bravo. C'est lui. Ah non. Bah non. C'est moi. Alors justement, avant d'entamer avec le cinquième extrait, est-ce que monsieur Abdi, alors il y a un membre de l'équipe du HD3 qui part en retraite dans quelques jours. Monsieur Abdelkrim, est-ce qu'il est dans les parages? Est-ce qu'il est parti, monsieur Abdelkrim? Monsieur Abdelkrim, justement, on lui souhaite une bonne retraite, monsieur Abdelkrim. Rappelez-moi son nom de famille. Comment? Rabia. Monsieur Barabia, voilà, après de 42 années de loyaux services au sein de la télévision algérienne, on lui souhaite une bonne retraite et bonne santé. J'ai envie d'applaudir ce monsieur qui travaille dur à l'image de toute l'équipe de HD3. Merci, monsieur Mouissi. Justement, j'ai envie d'embrasser la petite Céline, la fille de notre cher collègue Younes de Birtouta. Longue vie à elle, Céline. Justement, allez, on passe. Il y a un extrait.
le dernier extrait, le cinquième extrait. Et cette fois-ci, soit Fazia, soit Mehdi sont là pour, on va dire, pour gagner l'étoile d'or. C'est à chance égale cette fois. Ah, comment ? C'est à chance égale, hein. Ils ont un point, un point, un point. Non, 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 il y a deux points, Fazia le 15 et deux points Mehdi. Mehdi, il a deux points. Oui. C'était quoi, là ? Non, Matsa Kontesh. Matsa Kontesh. Oh, non, non. Non, t'as un torti poli, tu regardes que sur le côté gauche. Ah, lesquels ? Ah, tu peux ouvrir. Ah, vous l'avez pour Haouti. Ah, ça va. Lec, maintenant je fais comment ? Verbal ou là, écrit ? Cinquième, là, écrit. Écrit. Cinquième extrait. La bonne réponse est donc Cheba. Khaled. Cheba. Mesdames, messieurs, l'étoile et la Qasdira d'or revient à Fazia El 15. Applaudissements. Nous avoir prêté attention. C'était là, c'est à nous pour ce deuxième numéro et consacré, on va dire, dédié au vintage. Merci au public. Merci. Merci encore une fois à Fazia El 15, mesdames, messieurs. Qui garde l'étoile d'or pour la deuxième, on va dire, semaine consécutive. Merci. On va dire la première fois, parce que c'est la première fois qu'elle gagne sans tricher. J'ai pas triché, je suis désolée. La dernière fois. Non, mais c'est elle qui m'a encore une fois, c'est la mauvaise foi qui passe à Mina Abel. Il était là, mon fondateur de la page Facebook. Plus de 320 000 abonnés. Il s'agit là de Mehdi Kishkoul. Merci. Merci à vous. Et toi, t'avais proposé le rêve. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Ben, je remercie toute l'équipe, tout le staff technique. Merci à vous. Et je souhaite un très bon courage aux admins Old School DZ. Et je remercie tous les oldistes d'Algérie, que ce soit ici en Algérie ou bien hors Algérie. Merci beaucoup, Mehdi. Merci, Amina Abed. Et au prochain, c'est à nous. Merci. À la prochaine. De mauvaise foi, de mauvaise foi même. Non, en plus, moi aussi j'ai envie d'avoir une étoile. Non, le quinqué, chez les quinqués. C'est moi l'étoile. C'est moi l'étoile. Mina Abed, applaudissez très fort. Allez, je vais me rattraper en fin d'émission justement. Le face up, c'est pas fait pour quelqu'un de beau, de classe, de gentleman. Merci à HKM. Ouais. Sauf que moi, je prends l'antenne maintenant sur Algérie chaîne 3. Et c'est parti, on enchaîne après Canal Algérie à la chaîne 3 avec le Sound System HKM. Merci à vous. Merci à Mounia Wittis. Merci à vous. Je resterai toujours d'aussi mauvaise foi et mauvaise perdante. Mais en tout cas, tu es une studieuse chroniqueuse. Le bon point revient cette fois-ci à Mounia Wittis. Bravo. Merci. On était plus que ravis et honorés de revoir Hakim Larossi dans les locaux de la télévision algérienne. Merci d'être passé nous voir, Hakim Larossi. Merci. Et un grand merci à Fatiha Beni Saad, notre rédactrice en chef, qui a pensé à vous. Et justement, elle a fait encore une fois un très bon choix en choisissant Hakim Larossi pour cette belle émission. Merci à vous. À très très vite, Inch'Allah. À bientôt. DJ Kim, merci. Merci à toi, Mounir, merci à toute l'équipe. Alors, juste pour le délire, je voudrais terminer l'émission avec ta tignasse. Attends. Ah. Moi, je vais partir chez le coiffeur parce que. Alors, passe-moi ta tignasse. Passe-moi ta tignasse. On va terminer avec. Voilà.
Voilà, comme ça, ça le fait. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Là, je me découvre. Merci à Hassiba Hasnaoui, notre script également. Merci à Zaki Yassi Amel, chef d'unité. À Boukir Hajar Marhoun, notre régisseur de production. À notre décoratrice, Yasmine Sabes, applaudissements. Bravo. Notre réalisateur, réalisatrice, autant pour moi, Nilda Ouziala. Également à notre équipe de mise en beauté, Amel Slemna et aussi Nawal Taïlab. Nos accessoires, bien évidemment, monsieur Mekawi Majid. Merci à vous. Et merci également à toute l'équipe du HD3. C'est toujours un réel plaisir de travailler avec cette équipe. Un grand merci aux techniciens du HD3. On se donne rendez-vous pour le prochain C'est à nous. C'était là un grand, grand, grand numéro de vintage. C'est à nous. Merci au public et à très vite sur Canal+.